Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue de retour sur notre chaîne. Moi, c'est Raphaël Tikila, all the way from heaven. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça sera une visite à Port-Louis, au jardin de Port-Louis. J'ai accompagné ma copine à faire des cours, j'ai fait des beignets et j'ai fait un chit chat. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à commenter. Allez! Je vous présente ma copine Sophie, Émilie, Elodie. Elle n'aime pas la caméra. Il doit faire des gros sacs comme ça là. Oh, lui aussi il a entraîné. Non, il a fini à 5 ans. Mais quand il était entraîné, on faisait des appels. Il a fini à 5 ans. Il est confiné. Bon, zéro gâteau. Non, il y en a, je pense. C'est pas ici. C'est de l'autre côté, je pense. Le produit de porc. Tu vas pas acheter des bougies? C'est ça. Pourquoi c'est pas au frais en fait? Mais c'est au frais, chérie. C'est chaud ça? Non, touche. La jase. Ah. C'est quoi ça? C'est 15 ans de personne, putain. Mais c'est bien, tu vas acheter un gros gâteau, frère. Non, je vais pas l'en faire, je vais regarder en façon non plus. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois. Tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi. Une preuve d'amour, Yahweh. J'avais vu, tu m'as ajouté sur Snapchat, c'était pas toi? Jesus! C'est ma soeur, c'est d'être. Parce qu'elle avait créé un compte Snapchat sur mon téléphone. Je sais pas si tu veux. La joie. Il y avait Dalia qui a vu mon statut hier. On était en train de s'asseoir, elle a dit, c'est là que je vois comment je suis vieille. Moi, je n'arrive pas à exprimer ces choses en fait. Elle dit, oui, tu es vieille. Je suis pas bien, mais c'est juste que j'aime pas Snapchat. J'aime pas les filles, en fait. Les filles. Le quoi? Les filles. Comme ça, t'es très belle. Mais je pense que ta peau, elle est encore devenue plus brillante. Quoi? Tiens. C'est les filles. C'est pas les filles, c'est les filles, chérie. Tu préfères même sans filles. C'est pour ça que j'aime pas Snapchat. Moi, je n'arrive pas. Il sait pas que tu sois aussi comme mes amis. Elle n'aime pas les réseaux. Elle ne supporte pas la caméra. Toutes ces choses-là, c'est bien normal. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il n'y a pas de fatalité à ça. Ça ne fait pas de vous de personnes démodées. Ça ne fait pas de vous de personnes vieilles. Si pour vous rester en bonne santé mentale, spirituelle, si vous éloignez en fait de ces choses, alors faites-les pour votre bien. Souvenez-vous, l'important ce n'est pas de rester attaché à ces choses, mais l'important c'est de rester attaché à Christ et de marcher selon sa parole. Ces choses en fait. Elle dit oui, tu es vieille. Ici c'est quoi? Je veux dire. Oh, Rémi Ollier! Rémi Ollier! Oh, c'est lui Rémi Ollier, c'est notre béni, c'est le nom de notre avenir. Ah, mais c'est intéressant, chérie. J'aime trop ces lieux. It's so refreshing. Ah, dis-moi. Hein? Ouais. Wow. Pourquoi? Ben, c'est là qu'ils viennent. C'est comme la forêt de Boulogne. Mm-hmm. Boulogne en France. Je ne connais pas trop le nom. Ça veut dire Boulogne, je sais pas. Et lui, c'est qui? Attends, on va voir le nom. Lui, c'est Adrien Desfilles. Hey, tu sais, on avait fait son nom dans le truc des informations. Non,
philosophie avec monsieur. Comment il s'appelle? Michou? Non, monsieur d'informe de CAB là, comment il s'appelle? Sorti. Yeah! Je suis trop contente! Comme une villageoise. Là-bas, il y a qui? Léoville. Tu connais Léoville? Non? Ouais, c'est pas grave ou pas. On sort ici. Oh, je suis trop contente. On dirait une villageoise qui est en train de découvrir la ville. It's so refreshing, like. See, yes. C'est magnifique, avec les sables qui ont je sais pas combien de centaines d'années. Tu connais l'histoire de Maurice, toi? Ah, non, de Rodé, tu connais? Maurice en Rodé. Tu as raconté? Ça, c'est quoi, Léoville? L'homme. Du coup, c'est qui? C'est qui lui? Hein? Lorsque je suis la chance bien aimée. Je parle de toi, ces choses si bien réglées me parlent de loi. Ça me parle d'un roi et ça me parle de moi. Toi tu m'écoutes et tu te dis mais il parle de quoi? En fait, quand je regarde le monde, ça me parle, je crois. Ça me parle de croire. Ah, du coup, pour lui, c'était. Ça ne parle pas que des fois. Ça me parle, je crois. Oh, c'est très intéressant. J'adore, c'est pas possible. Lorsque vous quittez la France bien aimée, c'est né la Du coup, ça c'est quoi? On commence par où? Attends, bébé, je vais voir. Ça c'est quoi comme un motion? Ok. What's wrong? Don't be tired of me. Du coup, ça c'est quoi? Si vento, make the world now. Lui c'est qui? Manila, non. Il a fait le request himself. Du coup, ils ont écrit, ça c'est le hindi. Mais pour qu'on sache quoi en fait? Pour qu'on lise quoi? Nehi? 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 Oh, c'est trop bien, j'adore! C'est qui lui? C'est qui lui? Quand je vois les tempêtes, les séismes, les inondations, je me dis que c'est comme s'il y avait une imperfection. Les maladies, la mort. Je suis trop contente, c'est pas possible. Hello! Hi! Bye! Non, mais c'est trop bien, j'adore vraiment. C'est qui lui? Brown. Ah, c'est pour ça qu'ils ont donné l'asile des fous. Elle me parle d'infini, elle me parle d'éternité. Donc j'admets la supériorité d'une certaine entité. Tout me parle du bien et du mal, oui, d'une seule vérité. Tout me parle d'un sens, d'une origine et d'une autorité. Le fait que je puisse comprendre tout ça, juste en ouvrant les yeux, ça me parle de quelqu'un qui veut se faire connaître depuis les cieux. Un Dieu qui se révèle, qui se montre lui-même. Wow. Un Dieu. La mémoire du révérend Jean Lebrun. C'était des bonnes paroles. Wow, I'm so happy. Bicentenaire de la vie du révérend Jean Lebrun, Aline Maurice. Ok. Oh, mais c'est trop bien. Oh, je suis trop contente, je vais pleurer. C'est pas possible. Et dire que ça va faire 3 ans. Ça, c'est quoi ça? À la mort de la mère de pauvre sœur Marie Barthélémy. Hein? Mais non, chérie, j'ai pas honte, c'est la première fois. Oh, mon Dieu. Mais wesh, laisse-moi être libre. Oh, mais c'est tout beau. Prends-moi une photo avec mon téléphone. Tu m'avais dit que je pouvais compter sur toi. Tu m'as toujours démontré. Oh, it's so beautiful. Oh my goodness. Tu m'as parlé à mes défauts. Tu m'as aimé le premier. Je t'ai pas, moi aussi. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui, certes, parfois. Tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi. Une preuve d'amour, Yahweh. Et on va se prendre selfie. On va partir au musée qui est là-bas.
T'es d'accord? Au musicier là-bas, de l'autre côté. Non, pas maintenant, pas aujourd'hui, je fais des trucs après. Mais pas aujourd'hui, l'autre lundi, l'autre samedi. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux. Ne peux comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. C'est pas à moi, tu me laisses. Tu veux pas pleurer? Du tout. Maman, je vais traverser pour toi. C'est avec Dalia, je me rappelle bien de la photo là. Ils sont partis ici. C'est la première fois que je visite Koda en fait. Pas un après. Nous voici. C'est tout beau. Donc il y a les bus là-bas, ça va m'emmener jusqu'au métro normalement. C'est parti. J'ai raté les bus. Oh, je suis trop mal à cœur. Alors. Ah là là, normalement le métro c'était là-bas, mais vu qu'ils sont en train d'arranger, je vais pas attendre le bus. Et puis, parce que là l'arrêt du métro, vous allez voir que c'est bloqué en fait. On a bloqué là-bas. On a bloqué et on a dit que. Pick up for New Metro Station. Oh, c'est là-bas. C'est là en fait. Le métro c'est là. Du coup, il fallait que je prenne ces bus là pour me ramener jusqu'ici. Et puis à ce moment-là, je monte pour prendre mon métro. Mais vu que j'ai raté, je n'ai même pas fait le métro. On va attendre où ça va partir. Je pense que je vais rater ça parce que je peux encore payer les billets et tout. Flemme. Belle Rose, à Saint-Cassin, ouais. Pour ça. Voilà, allez, retour, 80. C'est beaucoup d'argent. Et je dois courir un petit peu. J'ai raté le métro, c'est pas facile. J'ai raté le métro et. J'ai raté le métro. C'est tout chez j'ai raté. Je dois courir. J'ai raté, c'est parti. J'ai raté le métro. C'est pas possible. Oh, c'est trop la fin. Je suis trop la fin. En plus, c'est ça, j'ai couru. Ah, je suis fatiguée. Ça va venir à 15h42. Oh, I'm so tired of this country. I'm tired. Donc, je viens de là-bas. Pour prendre mon bus, pour marcher, pour venir jusqu'au truc du métro là. Oh là là. Ça va venir à 6h, je sais pas moi. Mais je suis trop fatiguée moi. Et j'ai trop la flemme, j'ai trop la haine. Vous voyez, un pays en pleine construction. On construit toujours. Bienvenue à Île Maurice. Que vous êtes en train d'enjoy la vidéo, continuez de suivre si le jour avant. Tu peux parler de la relation et de la recomposition familiale. Et parlons en fait de défis, de challenges, de traumas qu'il y avait déjà bien avant, de traumatismes qu'il y avait déjà bien avant que le couple soit formé. Parler de en fait c'est quelque chose, tu vois, ce sont des choses qu'on n'écoute pas tous les jours, mais on a besoin d'écouter en fait.
tu vois. Et j'avais vraiment aimé. J'aime vraiment ce genre de choses, en fait. J'avais vraiment aimé. Mais là où ça a attiré mon attention, c'était là où la dame avait dit que... une émission d'une vidéo que j'avais vu, de Tim Swamley. Je pense que je vais mettre ça dans la description. Ta création parle de toi. Ces choses si bien réglées. Dégage pas les mêmes choses. Ça me parle d'un on ne peut pas avoir le même genre de relation avec tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, chaque personne dans ce monde est unique. Quand je regarde le chaque personne dans ce monde est différente. Chaque personne dans ce monde dégage quelque chose en fait qui est propre à la personne. Tu vois, quelque chose qui est propre à la personne, même si tu trouves des semblables, des gens qui sont un peu pareils, mais il y aura toujours quelque chose qui fera que cette personne soit différente de l'autre. Même si on peut s'y retrouver dans le même type de personnalité, dans le même type de gens et tout, mais il y aura toujours quelque chose qui fera que X soit différent de Y, A soit différent de B. Vous voyez? Donc elle était en train de dire que c'est pas parce que. En fait, c'est pas parce que je suis plus proche avec X et que je ne le suis pas avec Y que ça veut dire que l'autre est mauvais ou encore l'autre est plus bon. Non. Les deux personnes, en fait, sont complètement différentes. Il y a une chose, c'est qu'on peut avoir toutes les qualités, toutes les choses qui peuvent faire que les gens nous aiment. Mais au-delà de ce qu'on peut vraiment montrer, au-delà de ce que les gens peuvent remarquer, constater dans notre vie, il y a une chose, il y a quelque chose qu'on dégage en fait. Tu vois, il y a d'autres personnes, ils dégagent, quand tu vois en fait la personne, ils dégagent de la compassion. Il y a d'autres personnes, ils dégagent de la joie. Il y a d'autres personnes, ils dégagent... la joie de vivre, il y a deux personnes qui dégagent du sérieux, il y a deux personnes quand tu vois ce genre de ça, de par sa présence en fait, tu sens que cette personne est orgueilleuse, tu vois. Ça, ce sont les choses qu'on dégage au-delà de ce qu'on peut vraiment penser être, au-delà de ce qu'on veut vraiment essayer. Il y a des choses qu'on dégage qui font que les autres s'attachent à nous plus facilement en fait, et d'autres plus difficilement, si je dois dire comme ça. Tu vois, elle me parle d'infini, et ça c'est une chose qui m'a un peu épuisée avec les relations autour de moi. On va pas se mentir, les relations, les relations entre amis, les relations d'amitié, les relations de famille, les relations entre enfants et parents, les relations entre grands frères et grandes sœurs, les relations entre tel et tel, en tout cas dans tous les niveaux. Je parle de relations à tous les niveaux en fait. Tu vois, j'entendrai pas les mêmes relations en fait avec les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement différents. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de niveau, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de qualité, tu es une mauvaise personne. Ça ne veut rien dire. En fait, qu'est-ce qui fait que tu te rencontres en fait avec tu rencontres une personne et tu l'aimes pas? Pas que tu l'aimes pas, mais tu l'apprécies pas. Tu vois, on va dire que quand on va te présenter cette personne-là et l'autre, tu auras de préférence en fait. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce sont les choses naturelles, ce ne sont pas des choses qu'il faut forcer. Pourquoi c'est si même pas? J'ai l'impression que c'est si même pas. Et puis il y a une chose, c'est que les relations en fait, ce sont des choses qui se font naturellement. Tu vois, ce sont des choses qui se créent naturellement et qui grandissent, qui mûrissent, qui se développent et tout avec le temps. Mais c'est vraiment des choses à ne pas forcer, à ne pas forcer en mode cette personne même pas. Ah, elle aime telle personne, comment est telle personne? Telle personne, elle est gentille, elle fait ça, elle est travailleuse, elle est bosseuse, elle est blablabla. Donc moi aussi, du coup, je vais devenir comme ça. Non, en fait, tu vois? Non. Non, parce que toi, tu peux être pas... Enfin, il s'est fait que ça se passe, tu vois, on dit quoi? Les chimères, tu es... La chimie, en fait, ça s'est pas fait très favorablement, en fait, de... par rapport à votre relation, en fait, par rapport voilà, à votre affection et tout. Mais il se peut qu'il y a une autre personne que tu rencontres, ça se fait tellement naturellement, ça se fait smoothly, ça va tellement de manière fluide et tout. C'est pas des choses que tu as forcément en mode non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ici, il faut que je fasse ici. Donc, en gros, le message que je veux passer, c'est que si tu sens que cette personne n'est même pas beaucoup et tout, j'ai l'impression qu'il me met des côtés ou encore peut-être qu'il me déteste et tout. C'est pas qu'il te déteste en fait, c'est pas que la personne qu'elle te déteste, tu vois. C'est pas que la personne te déteste, c'est juste que vous dégagez, peut-être tu dégages quelque chose
qu'il aime en fait, qu'elle aime en fait. Peut-être qu'il te préfère ou préfère plutôt l'autre personne, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. En fait, vous voyez même dans les cercles de Jésus, il y avait les apôtres, mais il y avait l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Est-ce que ça fait deux autres apôtres le mauvais apôtre? Mais non, tu vois. En fait, dans la Bible, c'est bien écrit l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Mais il aimait tous ses apôtres de la même manière, mais il y avait un qu'il aimait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était lui, en fait. Tu vois? Parce que c'était lui. Et il y a deux choses, en fait. Tu vas voir que tu es bonne pour une personne et tu n'es pas bonne pour une autre personne. Ou encore, tu vois, c'est pas toujours question de la haine, de que je te déteste, de que, tu vois, on dit qu'il est totalité. C'est pas toujours dans le mauvais sens, en mode cette fille-là n'a pas été. Non, tu vois, ça se fait que tu dégages des choses que moi je n'aime pas, tu vois, que je m'identifie pas à ces choses. Donc je me vois pas en fait dans ces comportements-là. Je ne me vois pas en fait dans ces styles de vie. Du coup, c'est normal que... Et puis, ce sont des choses vraiment psychologiques en fait. Tu ne vas pas comprendre quel moment en fait ça s'est passé. Tu vois? Mais ça s'est passé en fait. Ce sont des choses, ça se passe naturellement en fait. Quand tu sais déjà qu'il n'y a pas, t'as pas d'intérêt là-bas et tout, ton cerveau en fait, ça va se comporter comme ça. Tu vois? Même si toi, peut-être, tu ne vas pas comprendre cela, mais tu vas te comporter d'une manière que tu ne seras pas tellement intéressé. C'est pas toujours méchant, c'est ce que je veux vraiment faire comprendre en fait, que c'est pas toujours méchant. C'est normal qu'on n'ait pas le même genre, le même style de relation avec tout le monde. Tu vois? Oui. Le petit kamiki, ça sent trop sucré. Et puis mon wananga, le petit kamiki. Petit kamiki, boy. Et puis ça, c'est le kamiki. Tu comprends? Les vieux rouillots, maman, ça, les vieux rouillots, Aujourd'hui, j'ai rendu les 6 vieux, les 7 des vieux. Puis on va que ça, les vieux rouillots, tiens. On va te sacher, n'y en soi. Sachez-moi quoi? Et puis, le vaccin, on a vaccin, c'est mon équipe. Vaccin, le vaccin. Et puis, il va bien, et là, on va passer des points de pied. Voilà. Tu bâtis sur mon pied, le tigre a sauté, un bonbon d'avoir, un bonbon. Et puis maintenant, il faut mélanger. Mélanger un bon bonbon avec un propre. Je peux mélanger bien. Ces choses, si bien réglées, me parlent de loi. Ça me parle d'un roi, et ça me parle de moi. Quand tu m'écoutes et tu te dis, mais il parle de quoi? En fait, quand je regarde le monde, ça me parle, je crois. Ça me parle de croire en un Dieu, non pas deux ni trois. Ça me parle et pas que des fois. Oui, ça me parle et j'y crois. L'infinité de l'univers me parle de foi. Oui, Père, ta création me parle de toi. Sans ta présence, rien n'aurait de consistance. La théorie du Big Bang me prouve ton existence. Les mathématiques, la physique me montrent que tout a un sens. Y'a une intelligence qui dépasse toute intelligence. Le nombre des étoiles me montre qu'il y a plus que ce que l'on pense. Y'a une puissance qui dépasse toute puissance. L'infinité de l'univers me parle de foi. Oui, Père, ta création me parle de toi. Une intelligence, une puissance, mais aussi une volonté. Si nous sommes là, c'est juste le fruit de ton amour et ta bonté. Oui, dans ta création, tu nous as donné une place spéciale, si unique. Alors, c'est la fin de ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec vos proches, à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Mais surtout, d'activer la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo que je sois en train de mettre. En tout cas, il y a de bonnes vidéos qui vont venir. N'oubliez pas de vous abonner, appeler le temps, appeler les couillères, appeler tout le monde. Abonnez-vous, abonnez-nous, abonnez-vous. Bye guys, thank you for watching.